Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va appliquer ce qu'on a fait la dernière fois, des choses assez théoriques hein, sur les changements de référentiel. J'ai essayé de vous dire la dernière fois, patientez, ça va servir à quelque chose à un moment donné. Ben voilà, c'est précisément maintenant que ça va commencer à servir. Et ce chapitre, il va s'appeler chapitre 4. Force d'inertie. Et alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est on va commencer à s'intéresser à la description de la mécanique dans des référentiels qui sont non galiléens. Dit comme ça a l'air super pas sexy, et on se dit, voilà, ça, où est-ce qu'il nous embarque? De manière plus précise, imaginez que vous soyez dans un référentiel que vous soyez attaché à un référentiel qui soit en train de tourner sur lui-même, par exemple la Terre, c'est le cas, et que vous vouliez faire de la mécanique sur cette Terre, tout en sachant que ce n'est pas un référentiel galiléen parce qu'elle est en train de tourner sur elle-même. Comme je l'avais mentionné la dernière fois, une manière de faire, ça pourrait être de se placer dans un référentiel qui ne tourne pas avec la Terre, c'est-à-dire de regarder la Terre depuis l'espace. On la regarde en train de tourner, puis on voit quelqu'un en train de faire une expérience, par exemple moi en train de jeter ma clé comme la craie, la laisser tomber, et puis voilà, faire cette expérience-là. On pourrait la regarder depuis l'espace, c'est un petit peu compliqué hein, si on fait ça depuis en haut et qu'on voit la Terre tourner. Donc on a peut-être envie de savoir faire une description de la physique depuis ce référentiel dans lequel je me trouve effectivement, qui est un référentiel du coup en rotation. On va faire ça de manière générale et on va le faire par étapes. On pourrait reprendre la dernière formule qu'on a vue sur la composition des accélérations et puis je pourrais vous écrire de manière générale comment on fait de la mécanique dans des référentiels accélérés et je pense que ça va juste être indigeste. Donc ce que j'ai choisi de faire ici, c'est de faire ça de manière de faire ça par étapes. Je vais m'intéresser à des situations simples. Je vais commencer par des référentiels qui sont accélérés de manière simple, c'est-à-dire des référentiels qui sont en translation par rapport à d'autres, où il n'y a pas de rotation d'axe. Vous vous rappelez, la dernière fois, on a vu les différents mouvements que peuvent avoir des référentiels les uns par rapport aux autres. Ils peuvent se déplacer en translation et ils peuvent avoir les axes des uns qui sont tournés par rapport aux axes des autres. Ma phrase, elle n'a aucun sens en français, je la refais. On peut avoir des référentiels dont... Je vais refaire la même. Bref, vous avez compris, les axes de différents référentiels peuvent être en rotation les uns par rapport aux autres, et du coup, ça change la manière dont, par exemple, on écrit les vecteurs, et donc ça change du coup la manière dont on définit les vitesses et les accélérations. Ça, dans un premier temps, je vais le laisser tomber, je vais le laisser de côté, je vais juste prendre des référentiels qui sont en translation les uns par rapport aux autres. Donc, dans toute la première partie de ce que je vais faire ici, les axes des deux référentiels R et R' que je vais considérer sont les mêmes. Ça va s'appeler petite 1. Référentiel en translation pure. Et donc la situation, c'est la suivante. On a ici un premier référentiel avec ses trois axes ici, x, y, z. On en a un avec son origine O. On en a un autre avec une autre origine O'. Voilà, un autre référentiel avec d'autres axes, alors, pardon, avec des axes qui sont parallèles au premier, c'est sur ça que je viens d'insister, et avec donc une autre origine O'. Et quand je dis que le référentiel R' est en translation par rapport à R, ça veut dire que l'origine O' peut être animée d'un certain mouvement par rapport à O. C'est ça qu'on va considérer. Et alors, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais vraiment faire le calcul formel. Ça va prendre trois lignes, n'ayez pas peur du mot formel. Et je discuterai les applications physiques de ça ensuite. On a vu la dernière fois que dans cette situation où les référentiels sont en translation les uns par rapport aux autres, on a écrit quelque chose comme ça. Enfin, on a même écrit exactement ça. A, l'accélération par rapport au référentiel R était donnée par l'accélération dans le référentiel R'. Plus l'accélération du point O' par rapport à O. Dans le cas, je vous le rappelle, où il n'y avait pas de rotation. Hein, ça, c'était le premier exemple que j'avais choisi dans le dernier cours. Imaginons que le référentiel R soit galiléen. C'est-à-dire, imaginons que ce soit un référentiel dans lequel j'ai le droit d'appliquer la relation fondamentale de la dynamique. Imaginez que j'ai un système ici, un point M, qui sont en train d'être soumis à des forces. Je l'étudie depuis le référentiel R. Dans ce référentiel R galiléen, j'ai le droit d'écrire la chose suivante. M fois A, l'accélération dans le référentiel R, c'est égal à grand F,
la résultante des forces. Je vais noter ici, je ne vais pas noter des sommes de F, etc. Pour moi, grand F sans indice comme ça va vouloir dire la résultante de toutes les forces qui s'appliquent sur le système dans le référentiel R. D'accord? Bon, ça, donc ça, j'ai le droit de l'écrire dans le référentiel R. Si maintenant je m'intéresse au référentiel R', celui-là qui éventuellement est en train d'être en translation par rapport à R. Je ne me pose pas pour l'instant la question de savoir s'il est galiléen ou pas. Dans R', quelqu'un qui s'intéresse à l'accélération du point M dans R', il va prendre l'équation qui est au-dessus et il va écrire que M fois l'accélération dans R' est égal à, donc je prends cette équation-là, je la multiplie par M, c'est-à-dire que M fois R', c'est égal à ça, moins celui-là multiplié par M. Je l'écris, c'est plus facile à écrire qu'à expliquer finalement. L'accélération par rapport à M, moins M fois l'accélération de O' par rapport à O. Donc ça résulte simplement de ça que j'ai multiplié par M, et je suis allé mettre ce terme-là dans le terme dans le terme de gauche. Est-ce que déjà ça vous convient? Enfin, du coup, avec ces deux équations-là, si M fois l'accélération dans R est égale à la somme des forces, ça je peux le remplacer par la somme des forces, et je trouve que dans R', j'ai que M fois l'accélération que je vais noter A', ici, est égale à F, la somme des forces, moins M, A, O' par rapport à O. Ça, je vais l'encadrer, c'est un premier résultat intéressant. Ce n'est pas le résultat définitif complet, mais c'est un premier résultat intéressant. Ça nous dit déjà que, effectivement, si l'accélération du point O' par rapport à O n'est pas nulle, le gars dans le référentiel R' n'a pas le droit d'appliquer la relation fondamentale de la dynamique, a priori. C'est-à-dire que M fois l'accélération mesurée dans ce référentiel R', ce n'est pas égal à la somme des forces. Il y a un terme en plus ici. Toute l'astuce de tout ce qu'on va faire dans la suite, toute l'astuce d'étudier la physique dans les référentiels non galiléens, c'est la suivante. C'est de se dire, OK, le gars dans R', il n'a pas le droit d'utiliser la relation fondamentale de la dynamique, mais quand même. Si on regarde bien, il y a bien l'accélération m fois l'accélération dans R' qui est égale à quelque chose qui ressemble à une somme des forces. En particulier, si ça, je décrète que c'est une force, je décrète que ça c'est une force, je vais l'appeler FIE dans la suite parce que ça va être une force d'inertie d'entraînement. Mais je définis une nouvelle force, FIE, qui est égale à moins m fois l'accélération de O' par rapport à O. Ça a un nom, ça s'appelle donc force d'inertie d'entraînement. On verra qu'il y en a d'autres, des forces d'inertie. Donc si je décrète que dans le référentiel R', il faut tenir compte en plus d'une force qui a cette expression-là, eh bien dans ce cas, effectivement, l'observateur dans R' peut appliquer une nouvelle relation fondamentale de la dynamique complétée. Je vais l'appeler comme ça. Ce n'est pas un terme standard. Hein. Vous ne trouverez pas ça dans les bouquins, mais moi je vais l'appeler comme ça. Elle est complétée dans le sens où elle tient compte en plus du fait que le référentiel dans lequel on est n'est pas galiléen. Et du coup, ça s'écrit comme ça. M fois A', donc dans le référentiel R', c'est égal à la somme des forces plus FIE, la force d'inertie d'entraînement. Donc en fait, c'est encore la somme des forces, sauf qu'il faut prendre celle-là en plus. Ça vous paraît peut-être bizarre. Vous allez voir quand même que cette force, quand on s'intéresse à des situations physiques où elle apparaît, vous allez vous apercevoir, c'est quand même des choses qu'on ressent. Hein. On a envie de l'appeler une force comme ça. C'est celle, par exemple, je ne veux pas spoiler, mais je vous dis tout de suite ce qui va se passer. On va étudier tout à l'heure le cas de quelqu'un qui est assis dans son fauteuil dans un avion qui va décoller. Si vous êtes dans l'avion et que l'avion se met à accélérer pour décoller, vous avez tous, ceux qui ont pris l'avion, ressenti le fait d'être collé au siège alors que l'avion accélère. Hein. Ça, vous avez vraiment l'impression qu'il y a une force qui vous colle au siège. Hein. Il y a un truc comme si quelque chose vous poussait contre votre siège. C'est cette force-là. C'est vraiment ça. En fait, ce qui se passe, ce n'est pas qu'il y a une force qui vous colle au siège, c'est qu'il y a l'avion qui est en train de vous pousser dans le dos. Hein. C'est ça qui se passe. C'est l'avion qui accélère, donc il vous pousse dans le dos, et du coup, vous ressentez un truc dans le dos, et vous avez l'impression d'être comprimé contre le siège. Ces forces-là, on va en rencontrer plusieurs, des forces d'inertie d'entraînement. Là, pour l'instant, la description que j'ai faite, c'est juste un référentiel qui est en translation par rapport à d'autres. On verra quand en plus on inclut la rotation. Il faut en inclure d'autres ici, des forces d'inertie de ce type-là. Donc celle-là, elle est d'entraînement, mais on en aura d'autres. Alors, on aura la force centrifuge, la force de Coriolis en particulier. On va les voir calmement une par une.
On les appelle parfois, ces forces-là, des forces fictives, parce que c'est des forces qui n'apparaissent que dans certains référentiels. Alors, il y a des débats sans fin sur est-ce que c'est fictif ou pas, parce que quand même, on la ressent, le coup de l'avion, ouais, on sent quand même qu'on est poussé contre le siège. Oui, mais elle n'est pas vraie pour tout le monde, donc elle est quand même un peu fictive. En fait, on s'en fout, hein, l'avion, voilà, enfin, elle est là, voilà. Dans les référentiels non galiléens, il faut la prendre en compte, point. Après, vous lui donnez le nom que vous voulez, vous l'appelez Alfred si vous voulez, mais ça ne changera rien à la physique du truc. Alors, on va en voir des exemples de ça, des applications, parce que là, pour l'instant, je suis conscient que ça vous paraît probablement assez académique. Et on va considérer une situation dans laquelle, effectivement, il faut prendre cette force en compte. Première application. L'ascenseur. Plus précisément, je vais considérer une cabine d'ascenseur avec un bonhomme dedans. Petite musique. Il y a toujours une petite musique dans les ascenseurs. Et cet ascenseur va être accéléré vers le haut ou vers le bas. Hein. Enfin, c'est un ascenseur, quoi, hein. Ça ne va pas sur le côté. Voilà. Pour l'instant, je ne vous apprends pas grand-chose. Je vais prendre un axe Z dirigé vers le haut. Et cet ascenseur, il a éventuellement une accélération suivant Z. Ou bien il est en train d'être accéléré vers le haut, ou bien vers le bas. Voilà. Je vais noter A. As, ASC pour là de l'ascenseur, voilà. Donc ça, c'est l'accélération de l'ascenseur, si on la mesure par rapport au référentiel du building dans lequel il est, et on va considérer que ce référentiel du building est galiléen. Donc dans l'accélération dans un référentiel galiléen, on la note AAS pour ascenseur. Et juste pour fixer les choses, pour que visuellement vous en ayez une image, je vais considérer que l'ascenseur est en train d'être accéléré vers le haut. Donc il est au départ au repos, vous appuyez sur le bouton 12e étage, et donc l'ascenseur s'élève vers le haut. Et je ne dis pas juste qu'il monte, hein, ce n'est pas que sa vitesse, il a une vitesse non nulle, je dis vraiment il est accéléré. Je suis en train de considérer la phase où il passe du repos à sa vitesse de croisière en quelque sorte. Donc il est en train d'être accéléré vers le haut. Sa vitesse est de plus en plus importante vers le haut. D'après ce que je viens de vous dire ici, le référentiel lié à l'ascenseur, si le gars là il s'ennuie un peu avec sa petite musique dans l'ascenseur, il a envie de faire de la physique. Et donc il va faire de la physique effectivement. Il va par exemple lâcher des objets, mesurer des forces, etc. Le gars dans l'ascenseur est dans un référentiel non galiléen, pour le coup. Et ce qu'il va faire, c'est quand il va faire la relation fondamentale de la dynamique, il va écrire ça. Imaginons par exemple qu'il s'intéresse à, comme objet, lui-même. Il est un peu narcissique. L'objet, c'est lui, et il se pose la question, tiens, à quelle force est-ce que moi je suis sensible? Je vais faire le bilan des forces qui agissent sur moi. Donc le gars, il est immobile, il y a des forces qui agissent sur lui, et il va faire de la physique, de la statique des forces dans le référentiel de l'ascenseur. Qu'est-ce qu'il va dire, ce gars? Bah, À quoi est-ce qu'il est soumis, le gars? Bah, je vais vous poser la question à vous. Le gars qui est dans l'ascenseur ici, à quelle force il est soumis? Son poids, donc d'accord, que je vais noter ici M fois G. Très bien. Quoi d'autre? La réaction du support. Donc c'est sur ses deux pieds. Alors je ne vais pas en mettre deux. On va imaginer qu'il est comme ça et qu'il n'y a qu'une seule réaction du support, d'accord? Qui est vers le haut. Voilà. Et a priori, si c'était dans un référentiel galiléen, ça serait tout. Or, ce que je viens de vous dire, c'est que ce n'est pas tout à fait tout. Il y a encore ce terme-là qu'il faut prendre en compte. Il y a aussi FIE qui est ici. FIE qui vaut, je vous le rappelle, moins M de l'accélération de l'ascenseur par rapport au référentiel galiléen, c'est l'accélération de O' par rapport à O, donc c'est celle que j'ai appelée A ascenseur ici, c'est-à-dire une force qui s'écrit comme ça. Donc c'est une force ici qui est dirigée vers le bas. Le gars qui est dans l'ascenseur a l'impression qu'il y a une troisième force qui est dirigée vers le bas et que je vais noter A ascenseur comme ça, c'est celle que j'ai écrite là-bas. Alors, pardon, plus précisément, la force, c'est moins m fois ça. A ascenseur, ici, sur mon dessin, est vers le haut, donc moins m fois A ascenseur, c'est quelque chose qui est vers le bas. Le gars, dans son référentiel à lui, c'est quoi son mouvement dans le référentiel de l'ascenseur? C'est quoi son accélération? Elle est nulle. Il est dans l'ascenseur, il se mesure par rapport à l'ascenseur, il ne bouge pas par rapport à l'ascenseur. Donc, s'il écrit la relation fondamentale de la dynamique dans le référentiel de l'ascenseur, le A' vaut 0 pour lui,
Donc il fait de la statique du coup, et il écrit que la somme de ces trois forces que j'ai écrites ici est nulle, c'est-à-dire R plus M fois G moins M fois A ascenseur. Et en particulier, s'il se dit, tiens, quelle est la réaction qu'exerce le sol sur mes pieds? Il s'intéresse par exemple à R. Il va écrire que R ici, du coup, c'est égal à moins MG plus M fois A ascenseur. Vous voyez un premier résultat ici. Quelque chose sur lequel vous vous êtes probablement beaucoup trompé au premier semestre. En tout cas, les étudiants que j'ai au premier semestre se trompent souvent sur ça. Quand ils font un bilan des forces, les étudiants, alors je vais dire les autres, comme ça c'est pas vous, vous vous sentez pas visé, ce qu'ils disent souvent c'est « Ah bah tiens, on a le poids, on a la réaction du support, donc on sait bien que R s'oppose à Mg. R c'est l'opposé du poids, donc R est égal à moins P. » Non, en général, enfin il n'y a pas de raison particulière pour que ça soit le cas. C'est le cas dans un référentiel galiléen, si vous êtes au repos, etc. Là on voit que c'est pas le cas, la réaction du support n'est pas égale à moins Mg dans ce référentiel-là. On va calculer la norme de R. Juste, comment vous le sentez? Est-ce que la réaction du support va être plus grande que d'habitude ou plus petite que d'habitude dans la situation qui est représentée ici? Plus grande, effectivement. On sent bien que si l'ascenseur monte, il vous pousse vers le haut et ça va plus appuyer sur vos pieds. Est-ce que c'est le cas? Eh bien, je vais prendre la norme de R ou la composante de R suivant Z. Je vais projeter tout ça suivant l'axe Z. J'ai pris l'axe Z vers le haut. R est vers le haut. Donc, si je projette suivant Z, ça fait R ici. Moins mg, c'est un vecteur qui est dirigé vers le haut et qui a pour composante du coup m fois g. Hein. Le vecteur g ici, il a pour composante moins g suivant z, donc avec le moins qui est ici, ça fait un plus. Et puis ici, plus m fois l'accélération de l'ascenseur, eh ben, on a effectivement quelque chose qui est plus grand que g, plus grand que mg si l'accélération de l'ascenseur est positive, comme c'est le cas sur le dessin que j'ai dessiné ici. Et donc vous voyez qu'effectivement la réaction du sol sur vos pieds est plus grande que Mg dans l'ascenseur. Allez-y, j'entends des réactions, je me suis trompé sur quelque chose. S'il y a un signe qui n'est pas clair, demandez. C'est important les signes. Je pense qu'ils sont corrects, mais je veux bien les justifier. Vas-y. Mg, le poids est dirigé dans le sens inverse de l'axe Z. Oui, si j'écris les coordonnées de G... Ces coordonnées, c'est suivant x 0, suivant y 0, suivant z moins g. Et quand je projette ça sur l'axe z, ça fait donc moins g, mais j'avais en plus un moins là. Ça vous pose problème? C'est l'étape avant encore? De le passage de là à là? Non, ça va? Quand je passe de là à là, comme eux, ils passent de l'autre côté, ils changent de signe, donc le plus mg devient un moins mg, le moins devient un plus ici. Et ensuite, quand je projette, en fait, le vecteur moins g, il est vers le haut, hein, c'est ça que ça veut dire. Et donc, sa projection sur l'axe z, elle est positive. Je suis prêt à le re-redire, hein, n'hésitez pas, si je l'ai dit trop vite, je peux le refaire. Oui, donc, la masse pour l'accélération, c'est égal à F plus F2. Oui. Mais là, on dit que le référentiel prime, c'est le référentiel de l'ascenseur. Oui, c'était celui-là aussi. C'est le référentiel non galiléen. C'est celui qui est en train d'être accéléré. Le référentiel galiléen, c'est l'immeuble autour, tranquille. Et toi, tu es dans l'ascenseur en train d'être accéléré vers le haut. C'est à ce référentiel-là que je veux m'intéresser. Quelqu'un qui est là-dedans. Donc, il y a quand même une accélération. De quoi? L'ascenseur est accéléré par rapport au sol. Donc l'accélération sans le prime, c'est-à-dire l'accélération du bonhomme par rapport au sol, oui, elle serait non nulle. Mais l'accélération du bonhomme par rapport à l'ascenseur, dans ce référentiel-là, le A prime, ce n'est pas l'accélération de l'ascenseur. Hein. C'est l'accélération des objets qu'on est en train d'étudier depuis le référentiel de l'ascenseur. Donc ici, le bonhomme, il est immobile dans cet ascenseur-là. Vous avez d'autres interventions? On a l'impression, dans la situation qui est ici, quand je dis on a l'impression, quand on prend l'ascenseur et que l'ascenseur s'élève vers le haut et accélère vers le haut, on a l'impression de peser plus lourd. C'est pas le cas, hein. On est soumis au même poids. Ce qui se passe, c'est que l'ascenseur est en train de nous pousser sur les pieds. Donc on a une sensation sur les pieds qui est la même que si vous étiez au repos, pas dans un ascenseur, vous étiez sur le sol tranquille, et que vous, effectivement, vous pesiez plus lourd. C'est pour ça que vous avez l'impression d'être plus lourd. C'est que la sensation sur la plante de vos pieds est plus grande que d'habitude. En fait, je vais y revenir ça tout à l'heure, mais c'est un truc super important. Le poids, vous le ressentez jamais. Hein. Super exercice zen.
vous fermez les yeux, sans vous endormir, s'il vous plaît, je sais que c'est la fin de journée. Fermez les yeux et vous demandez, tiens, qu'est-ce que je ressens en ce moment? Vous allez ressentir, là vous êtes assis, vous ressentez une force sur vos fesses, vous sentez les chaises qui poussent, votre chaise qui vous pousse vers le haut. Si vous êtes debout, là moi je sens une force qui pousse sur mes pieds. Je ne ressens surtout pas une force qui m'attire vers le bas. Hein. Le poids, on ne le ressent pas. Faites l'exercice en rentrant chez vous tranquillement, vous verrez. Si l'accélération de l'ascenseur était dirigée vers le bas, bah, ce que ça aurait changé ici, c'est que la projection de A ascenseur ici sur l'axe Z aurait été négative, et donc la réaction du support ici aurait été plus faible. Imaginons que l'ascenseur ici, attention, expérience de pensée qui va être douloureuse, si vous la faites en vrai. Imaginez que l'accélération de l'ascenseur soit dirigée vers le bas, comme ça, et en plus, qu'elle vale numériquement G. C'est une accélération assez importante. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, si je reprends le calcul qui est ici, je remplace A ascenseur par G. Qu'est-ce que je trouve pour R? 0. Vous n'avez plus de réaction de l'ascenseur sur vos pieds. Ça a l'air cool, hein? Ça veut dire quoi, ça, pour l'ascenseur? Il est en chute libre, hein? Il est en train de tomber en chute libre. Donc, effectivement, ça se passe plutôt bien, hein, jusqu'à ce que ça s'arrête. Ça, je vais y revenir sur la notion de chute libre dans un instant. Si l'accélération de l'ascenseur est vaut 2G, ça commence à être super bizarre, là. On a l'impression que R, ici, vaudrait, du coup, voudrait G, c'est-à-dire serait dirigé vers le bas. La réaction du support serait dirigée vers le bas. La moquette du sol vous attire vers le bas. Non, c'est pas ça qui se passe. C'est-à-dire qu'effectivement, vous décollez, et puis en fait, le sol, il devient là. Hein. Donc, vous avez simplement... Il faudrait refaire le dessin avec le bonhomme, comme ça. Sa petite musique, la même. Voilà, c'est ça qui se passerait, hein. Un ascenseur qui descend, qui est accéléré d'une manière ou d'une autre avec une accélération 2G, vous avez le bonhomme qui est tranquille là, comme s'il était sur Terre. Hein. Encore une fois, ça se passe bien pour lui, jusqu'à ce que ça s'arrête. Du coup, ça m'amène ça assez naturellement à la deuxième application que je voulais considérer. Référentiel en chute libre. Si effectivement, alors les calculs, ils sont déjà tous au tableau, là, donc je ne vais pas avoir grand chose à faire du point de vue des calculs. Imaginez qu'effectivement, on se mette dans un référentiel en chute libre, c'est-à-dire un référentiel dont l'origine décrive un mouvement uniformément accéléré vers le bas. Et en plus, juste pour simplifier un petit peu la donne ici, je vais considérer une chute libre qui est verticale, c'est-à-dire sans vitesse initiale. En gros, vous avez une cabine d'ascenseur, vous la montez, vous allez tranquillement à l'étage numéro 27, vous êtes au 27, une fois que vous êtes au 27, paf, vous coupez les câbles. Et vous avez une seconde et demie pour faire quelques expériences de physique intéressantes. Donc, quand effectivement vous êtes dans cet ascenseur qui est accéléré vers le bas, l'accélération de l'origine de ce référentiel par rapport à O est donné par G, et d'après ce qui précède ici, donc je vais quand même réécrire juste cette ligne-là, la force d'inertie d'entraînement dans ce cas-là, elle vaut moins M fois G, et quand du coup je fais le poids plus FIE, on se retrouve avec MG moins MG, ça fait 0. Et ça, c'est une situation donc, dans laquelle, dans le référentiel en chute libre, par exemple cet ascenseur en train de tomber, du coup, la somme des forces, si les objets ne sont soumis qu'à leur poids, la somme des forces, du coup, fait 0. Cette situation, elle porte un nom, ça s'appelle l'apesanteur. J'insiste sur le fait que cette apesanteur, ce n'est pas du tout l'absence de pesanteur. Quelqu'un qui regarde l'expérience depuis le sol, il est en train de voir une cabine qui descend très vite. D'accord ? Si vous êtes parti du 27e étage, ça arrive au sol avec une bonne vitesse. Hein. Donc effectivement, vous êtes, quand vous êtes dans l'ascenseur en train de tomber, vous êtes attiré par le bas. Le truc, c'est que la cabine l'est aussi,
Et si vous vous amusez à prendre des objets autour de vous pendant que vous faites cette expérience, vous sortez, prenez la main dans votre poche, vous sortez des pièces de monnaie, tac, bah vous allez voir la monnaie qui est en train de flotter autour de vous. Vous êtes vraiment en apesanteur. Tout est en train de tomber en même temps, en fait. C'est ça qui se passe. Hein. Ça, c'est une conséquence directe de l'universalité et de la chute libre. C'est-à-dire que tous les corps tombent de la même façon en même temps. C'est comme les expériences qu'on fait avec les avions. Tout à fait. C'était ça, c'est ce qui est fait dans les vols paraboliques, des avions qui suivent des trajectoires de chute libre, donc la, dont la, le centre de l'avion suit une trajectoire dont l'accélération est donnée exactement par G. Donc le pilote, il s'arrange pour que l'avion il fasse ça. Si vous lancez un avion bêtement et vous arrêtez les moteurs, ça ne va pas faire ça. Il y a les frottements de l'air, ça va faire une autre trajectoire. Donc il faut mettre les moteurs comme il faut pour que effectivement la trajectoire suive une vraie trajectoire de chute libre. Et quand vous êtes à l'intérieur de l'avion, effectivement, vous êtes dans cette situation d'apesanteur. Application 3. Et je ne vais pas les multiplier parce qu'elles vont être quand même un peu toutes du même style. Avion qui décolle. Ok, c'est pas mon fort le dessin d'avion. On va dire que c'est une baleine qui décolle. Bref. C'est un avion. Vous êtes assis dans l'avion et l'avion, au moment de décoller, est accéléré dans cette direction-là. Je vais noter ça, accélération de l'avion. Et imaginez que vous, vous demandiez, tiens, qu'est-ce qui se passe depuis l'intérieur de l'avion? Votre référentiel, c'est l'intérieur de l'avion. Donc votre référentiel R', c'est le référentiel de l'avion. Et du coup, pour vous, dans le référentiel R' lié à l'avion, il va falloir tenir compte d'une force d'inertie d'entraînement qui s'écrit moins m fois l'accélération de l'avion par rapport au sol, l'accélération de ce référentiel accéléré, et ça s'écrit avion, moins m fois a avion. Et du coup, m ici, c'est votre masse à vous, hein, si c'est vous le système que vous êtes en train d'étudier. Et du coup, cette accélération, dans le référentiel de l'avion, elle s'écrit comme ça. Enfin, cette force d'inertie d'entraînement, elle est dirigée comme ça. Donc ce que ça vous dit ça, c'est que depuis le référentiel de l'avion, vous avez l'impression de subir une force qui vous colle sur l'arrière de votre siège. Donc j'ai déjà évoqué ça tout à l'heure. Donc cette force, on peut dire qu'elle est fictive ou pas. En tout cas, on la ressent vraiment très fort quand on est dans un avion de ligne. Hein, ça, au moment du décollage, l'accélération, elle est assez importante. Je suis toujours dans la section sur les référentiels en translation pure. Mais maintenant, je vais considérer une translation circulaire uniforme et plus uniformément accélérée. Translation circulaire uniforme. La situation, c'est la suivante. J'ai ici un référentiel R avec ses axes qui pointent dans trois directions données. Et j'ai un autre référentiel qui a les axes qui pointent dans la même direction. Encore une fois, il s'agit d'une translation, pas d'une rotation, avec un centre O' qui décrit un cercle autour de O. Donc le point O' décrit un cercle autour de O. Quand c'est le cas, on va essayer de choisir les axes de manière intelligente. Vu de dessus, ce qu'on va choisir, je vous propose, c'est X, Y et puis Z qui pointent vers nous comme ça. Et puis pour O', du coup, bah, je n'ai pas le choix, j'ai dit que je prenais les mêmes. Donc on a aussi quelque chose comme ça, X, Y et Z comme ça. Ça, c'est le point O'. Et ce que je suis en train de considérer, du coup, c'est O' qui fait cette trajectoire-là. Donc on a le point O' qui est en train de tourner autour de O, et on va considérer une situation la plus simple possible en gardant cette contrainte-là, c'est on va supposer que ça se fait à vitesse angulaire constante. D'accord ? Ça décrit le mouvement est uniforme, le mouvement de translation circulaire est uniforme, donc c'est-à-dire la vitesse angulaire est constante. Pardon ? Oui. Non, non, justement, il ne tourne pas. C'est-à-dire qu'à un instant suivant, bah, je peux les dessiner, ça serait comme ça, x, y.
et puis à l'instant là, comme ça, en fait, il ne tourne pas. Très important. Oui, quelqu'un voulait poser une question? Non? Ça, ça pourrait représenter, par exemple, une grande roue dans les fêtes foraines. Les cabines, effectivement, elles n'ont pas la tête en bas quand elles sont, vous arrivez en haut. Hein. Elles gardent la même orientation tout le temps. Vas-y. Ça, ça va aussi décrire une autre situation. Ça va être, par exemple, la trajectoire de la Terre autour du Soleil. Son mouvement qu'on appelle de révolution. Révolution, ça veut vraiment dire ça, dans ce contexte-là. Mouvement de révolution, c'est un mouvement de translation circulaire uniforme. Ce n'est pas une rotation. Je reviendrai plus tard sur la rotation, mais ici, ce n'est pas le cas. C'est vrai, ça, que la Terre est décrit un cercle autour du Soleil? Ça décrit une ellipse. Alors, si vous êtes curieux, je vous invite à faire l'expérience suivante. Vous allez sur Wikipédia pour regarder l'excentricité de l'ellipse que décrit la Terre autour du Soleil. Vous allez trouver E égale 0,0167. Hein, voilà. Et dans l'équation R est égal à 1 sur 1 plus E, enfin quelque chose P sur 1 plus E cos θ, j'avais mis un moins même dans ce que j'avais montré. Vous représentez ça avec un logiciel graphique. Je vous assure qu'à l'écran, avec l'épaisseur du trait, vous n'aurez aucun moyen de voir la différence entre cette ellipse et un cercle. C'est vraiment extrêmement proche d'un cercle. Enfin, je l'ai fait tout à l'heure avant de venir. Sur un écran d'ordi, enfin un écran qui est comme ça, j'ai un gros écran au labo, j'ai vraiment mis le truc en grand, j'avais l'ellipse décrite par ça et cette excentricité-là, j'ai tracé par-dessus un cercle, et avec l'épaisseur des pixels de mon écran, je ne voyais pas la différence entre les deux. Donc, quand on dit que la trajectoire est elliptique, c'est vrai, mais la différence entre l'ellipse et le cercle, elle est quand même faible. Et dans ce qui va suivre ici, je vais prendre comme exemple, moi, de trajectoire circulaire, la trajectoire de la Terre autour du Soleil. Et c'est une très bonne approximation. D'accord? Autre question, juste pendant qu'on en est là, la Terre te décrit une ellipse autour du Soleil, donc des fois elle est plus loin, des fois elle est plus près du Soleil, du coup. Elle est plus près en hiver ou en été? Elle est plus près en été? Perdu. Elle est plus près en hiver. La raison pour laquelle il fait chaud en été n'a rien à voir avec le fait que la Terre soit plus proche ou plus loin du Soleil. C'est lié au fait que l'axe de rotation de la Terre est incliné. On y reviendra peut-être plus tard. Puisqu'on va s'intéresser au mouvement de la Terre autour du Soleil, ben je vous demande comme ça, à froid, calculer la vitesse de la Terre autour du Soleil, sa vitesse en mètres ou en kilomètres par seconde. Je peux vous donner une indication, si vous voulez. C'est la distance entre la Terre et le Soleil, et je ne vous donne que celle-là. Ça fait combien la distance Terre-Soleil? 150 millions de kilomètres, effectivement. Effectivement, la vitesse est donnée par la distance parcourue en un tour divisée par le temps qu'il faut pour faire un tour. Il faut combien de temps pour que la Terre fasse un tour autour du Soleil? Un an, qu'on peut convertir effectivement en jours puis en secondes. 365,25 jours fois 24 heures par jour fois 3600 secondes par heure. Et au numérateur, il faut mettre le périmètre d'un cercle, 2π fois le rayon. Et je mets ça en mètres plutôt qu'en kilomètres pour avoir tout dans les mêmes unités. Et ça fait combien, vous me dites? À peu près 30 km par seconde. D'accord. Dans la situation qui est ici, si je dois. Donc j'ai le point O' ici qui décrit un cercle autour de O. Comme on vient de le voir, je peux vous faire le même raisonnement, mais on va s'intéresser à de la mécanique faite dans le référentiel R'. Et dans le référentiel R', on va écrire M A' est égal à somme des forces moins M accélération de O' par rapport à O. Et donc du coup, pour étudier ce genre de mouvement, il faut savoir comment le point O' est accéléré par rapport à O. Et alors ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. L'accélération de ce point-là dans son mouvement autour de O, elle s'écrit simplement. L'accélération de O' par rapport à O est donnée par
on a un terme moins U, où U, ça va être un vecteur unitaire que je vais matérialiser ici tout de suite, qui est dans cette direction-là, fois V carré sur grand R, où grand R, c'est la distance O, O', c'est le rayon du cercle qui est décrit par, par O', et V, c'est la vitesse linéaire de O' le long du cercle, et ça s'écrit, ça aussi, moins R oméga 2 fois U. Voilà. Et donc, ça veut dire que quand on étudie la physique, quand on fait de la mécanique dans le référentiel R', il faut écrire une relation fondamentale de la dynamique qui est un petit peu différente de celle de d'habitude, puisqu'on a certes MA' qui est égal à la somme des forces, F, là, le MA dans l'ancien référentiel, c'est la somme des vraies forces, vraies entre guillemets, au sens de ce que j'ai dit avant, et ici, moins M fois l'accélération de O' par rapport à O. Je reprends par exemple le deuxième terme qui est là-bas, celui avec R oméga. Le moins qui est là-bas avec le moins qui est là, ça fait un plus. MR oméga 2 fois U. Ça, c'est la relation fondamentale de la dynamique dans le référentiel R'. Alors, je vais insister sur un point délicat. Ce référentiel-là me sert à décrire l'ensemble de tous les points de l'univers. Hein, le référentiel ici, ce n'est pas juste ceux qui sont autour du point O'. Quand on dit qu'on utilise ce référentiel-là, ça veut dire que même un point qui est ici, un point qui est là, un point qui est là-bas à 12 km, il est aussi décrit par rapport à O'. Si on se place dans le référentiel R', c'est O' l'origine qu'on choisit pour tous les points. Et la relation fondamentale de la dynamique qu'on écrit ici, elle est valable pour tous les points de tout l'univers. Je vous dis ça, ça vous semble peut-être évident, mais la difficulté, c'est que le U qui est ici, donc celui-là, ça a l'air d'être un vecteur radial sur le dessin parce que je l'ai mis en O' ici, mais il faut bien voir que si j'applique cette relation fondamentale de la dynamique là, au point qui est là, le vecteur U, c'est le même que celui-là et que celui-là, c'est-à-dire il est ici. Tous les points du référentiel R' sont affectés du même, de cette même force d'inertie d'entraînement que j'ai écrite ici. Et donc, on utilise le même vecteur U pour tous les points de tout l'espace, et en particulier la force d'inertie d'entraînement, c'est-à-dire celle-là, là, elle est la même pour tous. Elle est dirigée suivant U, donc ça veut dire que tous les points de tout l'univers, quand on étudie leur mécanique du point de vue de R', semblent sensibles à une force qui est dirigée suivant U ici, qui est d'autant plus importante que leur masse est importante, la masse du corps qu'on étudie, le rayon du cercle décrit par O' est grand, et que la vitesse angulaire est grande. Donc en ce sens, hein, ce n'est pas une force qui est centrifuge du tout. Je dis ça parce qu'on peut la confondre dans certains contextes avec la force centrifuge. J'essaierai à la fin de ce cours là, de revenir sur ce point-là en comparant cette force-là à celle qu'on appelle la force centrifuge. Ce qu'on va faire, je peux vous le dire déjà, hein, on va étudier en fait ce problème-là d'un corps en train de tourner autour d'un autre de trois manières différentes qui fait intervenir ou non des forces d'inertie et des forces centrifuges. Voilà. Ou des forces centrifuges, d'ailleurs, ce sera l'une ou l'autre. Alors, une fois qu'on a compris ça, que tout dans le référentiel R', la relation fondamentale de la dynamique s'écrit de cette manière-là, je voudrais qu'on s'intéresse effectivement à un corps. Je vais effacer ça. Je vais prendre un corps qu'on étudie dans R'. Par exemple, la Terre. Dans le schéma que je viens de faire ici, ça aurait été la Terre qui tourne autour du Soleil, par exemple. Donc, j'ai la Terre ici. Voilà, et donc je la munis d'un axe X, d'un axe Y et d'un axe Z, comme je l'ai fait précédemment. Z, il est vers nous. Donc O' ici, c'est le centre de la Terre. Et j'ai des axes qui pointent vers des étoiles fixées. Donc ces axes ne tournent pas lorsque la Terre est en train de décrire un cercle autour du Soleil. Quand je fais de la physique dans ce référentiel-là, donc il faut que je prenne en compte plusieurs forces. Imaginez par exemple que j'ai un point qui est... je vais prendre un point qui est ici, par exemple. Imaginez un point qui est qui est au voisinage de la surface de la Terre, ici. Vous ne voyez pas, vous êtes un peu loin, mais c'est un petit bonhomme là. Il y a un petit bonhomme qui est debout, voilà, il est en train de faire de la physique sur la Terre. Je ne prends pas en compte, dans ce que je vais montrer ici, le fait que la Terre est en train de tourner sur elle-même. D'accord ? Imaginons un cas d'école, c'est une autre planète qui n'a pas de rotation propre, elle est juste en train de faire un mouvement de révolution autour du Soleil. Le gars qui est ici fait de la physique. Il va utiliser la relation fondamentale de la dynamique qui est là, et donc il va écrire MA' est égal à, c'est parti. Qu'est-ce qu'il écrit comme force? À quoi est-ce qu'il est soumis, le gars qui est ici, comme force? Déjà, il y a l'attraction de la Terre, ce que je vais noter moins G grand M de la Terre, petit m sur
petit r au carré fois, fois le vecteur u, c'est celui de tout à l'heure, ici du coup, hein, quand, si le soleil se trouve à ce moment-là, je vais quand même redessiner le soleil, on a le soleil qui est ici, on imagine que la Terre se trouve à cet endroit-là de son périple autour du soleil, donc ça c'est la force qui est due à l'attraction de la Terre. La distance r qui est ici, c'est la distance du coup qui sépare le système du centre de la Terre. Donc en gros ici, ça va être le rayon de la Terre. Ça, c'est la première force. Il y en a une autre, c'est celle, l'attraction du Soleil. Parce que le Soleil, ici, il attire le bonhomme, hein, il l'attire même assez fortement. Le Soleil, ici, exerce une force suffisante pour retenir la Terre sur son orbite, donc c'est un truc qui attire bien. Effectivement, le bonhomme, il, ici, est aussi sensible à l'attraction du Soleil. Donc ici, ça va s'écrire du coup, moins grand G M du Soleil fois la masse du bonhomme, fois la distance qui sépare le bonhomme du Soleil, c'est-à-dire grand R plus petit r au carré, fois U. Vous êtes au clair sur les notations, hein? Grand R, c'est cette distance-là. Petit r, c'est cette distance-là. Hein? Et enfin, bah, la force d'inertie d'entraînement qui est là-bas, plus M, R, oméga 2, fois U. Et alors ici, si, pour savoir ce que vaut ce terme-là, on peut s'intéresser juste provisoirement ici, je vais faire une parenthèse, je vais m'intéresser ici au système Terre lui-même, hein, quelle est la physique décrite par le système Terre. Si j'étudie la Terre, cette fois-ci dans le référentiel R, dans un référentiel galiléen, on s'aperçoit très rapidement que l'accélération de la Terre, que je vais noter AT, est égale à moins G grand M du Soleil sur R au carré fois U. Ça, vous écrivez la relation fondamentale de la dynamique qui s'applique sur la Terre, étudiée dans le référentiel R, et vous allez trouver très rapidement ça. Et vous allez de ça, quand vous écrivez que la norme de l'accélération, c'est justement grand R fois oméga 2, vous trouvez que le R oméga 2 qui est ici, en fait, il est donné simplement par ça. Donc je vais le remplacer ici, donc remplacer ça par ça. Je suis allé vite, hein, vous regarderez éventuellement la vidéo si c'est trop rapide pour vous, mais ce que j'ai fait ici, c'est simplement appliquer la relation fondamentale de la dynamique dans R au système Terre. Et donc du coup, le terme qui est en bleu ici, il s'écrit M fois grand G, masse du Soleil, masse du corps que je recopie qui est ici, sur R au carré. Et en fait, ce que je suis en train d'écrire ici, c'est vraiment tout ça, là, tout ce terme-là. On a du coup trois termes qui se ressemblent pas mal. M A' est égal à moins G MT M sur R2 U moins G MS M. Et attention ici, je vais mettre R carré en facteur ici. Et ça du coup, ça s'écrit 1 plus grand R sur petit r sur grand R au carré. Et ici, plus ça fois U. Et quand on fait ça, vous voyez qu'il y a des choses qui se simplifient. Bah déjà, le petit m, je l'ai écrit deux fois, pardon. Le petit m qui est ici se simplifie partout. Ça vous étonne, ça? Ça va être le cas à chaque fois que vous ferez de la physique avec que de la gravitation, ça va être le cas. Ça s'appelle l'universalité de la chute libre. Tous les corps soumis à l'attraction gravitationnelle d'objets qui sont autour, tous les corps tombent de la même façon, sont accélérés de la même façon. Prenez un éléphant et une mouche en scaphandre dans l'espace, vous les mettez n'importe où là-dedans, vous les lancez à la même vitesse, ils vont suivre les mêmes trajectoires, forcément. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va être toujours vrai. Ça vient du fait que le M se simplifie dans l'équation. J'ai déjà parlé de ça un petit peu plus tôt. Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est la similarité entre les deux termes qui sont ici. Là, vous voyez, vous avez un GMS sur R2, GMS sur R2, et ce qui diffère, c'est le terme qui est ici. Et ça, donc, je l'ai déjà mentionné la dernière fois, mais du coup, je refais le calcul rapidement pour l'avoir au propre. Est-ce que vous vous souvenez de ça, comment est-ce qu'on peut écrire 1 plus R sur R carré quand R, petit r sur grand R est petit? Ce qui est le cas ici, hein, le rayon de la Terre est beaucoup plus petit que la distance Terre-Soleil. Vous vous rappelez ce que ça vaut, ça? Comment on peut l'écrire? Ouais, un développement limité, et ça fait quoi? Et ça, vous vous rappelez ce que ça vaut quand la quantité qui est ici est petite devant 1? Ouais, 1 moins 2R sur grand R. La formule générale, c'est 1 plus epsilon à la puissance n. C'est à peu près égal à 1 plus n epsilon.
un jour de pluie, un week-end de pluie que vous ennuyez, faites une expérience toute simple. Calculez, ou faites un jeu avec des amis. Ils ne vont pas rester longtemps vos amis si vous faites des jeux comme ça, mais bon, c'est pas le problème. Vous leur dites, ouais, je vais calculer 1,01 à la puissance 7 de tête. Trop fort. Bah oui, ça c'est 1 plus 0,01 à la puissance 7. Et ça, ça fait à peu près 1,07. Avec un chiffre là, là ça sera encore autre chose. On peut même de tête aussi calculer suivant si on connaît l'ordre 2 ici, mais voilà. On peut faire mieux, on peut faire ça à la puissance moins 7 aussi. Là, vous perdez vraiment vos amis, enfin vous les épatez, mais donc ça fait 1 moins ça et ça fait du coup 0,93 à peu près. J'efface ça. Ça c'est un jeu de débile. Ok. Donc l'expression qui est ici est donnée par ça. Et si je le remplace dans celle qui est là-bas, bah, je vous propose, je vais le faire en fait directement. Attention ici, je vais passer le moins 2 qui est ici là, plutôt que tout réécrire. Voilà. Donc sur votre feuille, vous entourez ça, puis vous mettez quelque chose, vous débrouillez quoi, mais vous prenez les notes de ça. Et du coup, ce que je vais faire là-bas, c'est développer la parenthèse qui est ici. Est-ce que vous voyez déjà qu'il y a quelque chose qui va se simplifier? Non? Ok, je l'écris. Ça, c'est la même chose que ça avec un signe. Donc ces deux-là se simplifient. Et donc il reste A' est à peu près égal à moins GMT sur R2 U plus 2GM du soleil R sur R cube fois U. Et ça, je l'encadre parce que je vais le commenter tout de suite. Faire un gros zoom de la Terre là. Ça, c'est un zoom de ça. Le Soleil est toujours par là-bas. Hein. Donc, ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que le bonhomme qui est ici, là, ou l'objet qu'on pose, peu importe, dans le référentiel centré sur la Terre, là, en train de tourner autour du Soleil que je suis en train d'étudier, dans le référentiel R' que j'ai choisi, il est soumis du coup, lui, à deux forces. Il a l'impression d'être soumis à deux forces. D'une part, son poids. C'est de ça dont il s'agit. Le premier terme qui est ici, c'est simplement son poids, c'est l'attraction gravitationnelle de la Terre, plus une autre force, celle qui est ici, qui elle est dirigée quand R est positif et dirigée par là-bas. Je vais l'appeler F avec un petit m. Et donc une force qui s'oppose au poids. Ce gars, du coup, a l'impression de peser moins lourd à cause de ça. La force d'inertie d'entraînement ne compense pas tout à fait la force d'attraction du Soleil. En grande partie, hein, si on calcule numériquement ce terme, on s'aperçoit, en fait, je ne vais pas prendre le temps de le faire ici, mais on s'aperçoit qu'il est petit, ce terme-là, déjà devant celui-là et devant celui-là. C'est ce qui a d'ailleurs justifié le fait qu'on puisse faire ce développement limité. Mais en plus, il est petit aussi devant celui-là. Donc ça, vous pourrez vérifier en mettant dedans le rayon de la Terre, la masse de la Terre, ici la masse du Soleil, et puis la distance Terre-Soleil et le rayon de la Terre ici. Vous verrez qu'effectivement, ce terme-là est petit devant celui-là, mais il n'est pas complètement négligeable. Et effectivement, du coup, la résultante des forces ici correspond à un poids apparent qui est plus petit. Les forces ici sont plus petites que celles qu'on aurait obtenues dans un référentiel galiléen. Si je fais le même raisonnement, ici, maintenant, j'ai un bonhomme qui est là. Eh bien, il est soumis à quoi comme force? Lui, il est soumis aussi à son poids, qui cette fois-ci est dans ce sens-là. Et il est soumis à cette force Fm, là, qui est encore donnée par cette expression-là. Vous pouvez tout reprendre simplement R, vous prenez R négatif, ou dit autrement, vous remplacez grand R plus petit r ici par grand R moins petit r. Vous regardez comment les signes se trimballent. En fait, du coup, ça va changer le signe qui est là, donc qui est là, donc qui est là, et donc qui est là. Donc en fait, ce que ça fait, c'est que ça change simplement le signe qui est ici en prenant un bonhomme qui se trouve du côté du Soleil. Et du coup, ça change le signe global de la force, et vous trouvez que cette force Fm, pour lui, elle est dirigée dans cette direction-là. C'est-à-dire qu'elle s'oppose aussi au poids. Donc lui aussi, il a l'impression de peser moins lourd. Si on fait le même raisonnement pour des bonhommes qui sont sur le côté maintenant,
Là, ça commence, il commence à avoir la tête dans les calculs. En fait, ce que je suis en train de faire, là, on peut le faire de manière graphique, de manière très systématique. La force Fm qui est ici, c'est la superposition de deux choses. Je vais faire ça ici. C'est la superposition de la force d'inertie d'entraînement qui est la même dans tout le référentiel. Je vais la mettre encore dans une autre couleur. Je vous ai dit tout à l'heure que le vecteur petite u était le même partout. Donc, pour toutes les personnes qui font de la physique dans le référentiel R', il faut qu'elles ajoutent aux forces usuelles une force qui est donnée par ça et dont la norme était celle que j'ai écrite tout à l'heure. Ce que j'ai écrit là, ça, c'est la force d'inertie d'entraînement. La norme de ce vecteur-là, donc elle est donnée par m fois l'accélération de O' par rapport à O, c'est l'accélération due à la force d'attraction du soleil. C'est le calcul que j'ai fait en bleu ici. Et du coup, on peut montrer que la force verte qui est ici, elle compense exactement la force d'attraction du soleil si on se place au centre de la Terre. En ce point-là, ces deux forces se compensent. On le voit explicitement ici. Si je fais petite r égale 0 ici, c'est-à-dire si je me mets au centre de la Terre, petit r égale 0, ben ça vous dit ici que ce terme-là est nul. Donc ça veut dire que ces forces-là se sont exactement compensées. Or, l'ensemble de ce qui était au-dessus, c'est la somme de la force d'attraction du Soleil plus la force d'inertie d'entraînement. Donc ici, ces deux forces se compensent. Donc la force verte qui est ici, c'est la force d'inertie d'entraînement. Elle est la même pour tout le monde dans le référentiel ici. En revanche, la force d'attraction du Soleil, non. Est-ce qu'ici, elle est plus forte ou plus faible que la verte, à votre avis? Plus forte, on s'est rapproché du Soleil. Donc ici, la force d'attraction du Soleil, elle est plus forte. Si je me mets ici maintenant, en ce point-là, là je suis en train de regarder ce dessin-là. Si je me mets plus loin du Soleil, la force va être plus petite. Voilà. Si je me mets là, elle est comment? Ben là, c'est un peu plus compliqué. Elle est sur le côté, comme ça. Et si je me mets là, elle est comme ça. Voilà à quoi ressemble, et ça pointe à chaque fois vers le Soleil. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que du coup, la résultante de ces deux forces-là, de ce côté-là de la Terre, ça fait une force qui va par là-bas, c'est ce que je vous disais ici. Quand on se place de ce côté-là de la Terre, ça fait une résultante qui va par là-bas, c'est ce que je vous ai dit ici aussi. Et quand on se met là, bah là c'est un petit peu plus subtil, mais vous voyez que si j'ajoute ces deux vecteurs-là, comme on est à peu près, comme on est ici à la même distance du Soleil que ici, la norme de ça, ça va être égal à la norme de ça. Donc j'ajoute ici un vecteur force d'attraction du Soleil qui a la même norme que celui-là, mais qui est un petit peu décalé vers le haut, ils n'ont pas la même direction, et ça fait une résultante qui va par là-bas en fait. Et de la même façon, pour les corps qui sont ici, ça ferait une force qui va là-bas. Donc le bonhomme qui est ici a une résultante qui va par là-bas, son poids apparent est un peu plus fort. Pour celui qui serait ici, c'est le cas aussi. Tout ça, l'ensemble de ces forces, ça s'appelle des forces de marée. Si on applique ce que je viens de dire maintenant, non pas à un bonhomme, mais à la surface de la Terre elle-même, si la Terre est un corps qui peut se déformer, ça veut dire qu'elle va se déformer de cette manière-là. Elle va être ici plus courte et ici plus longue. Voilà, elle s'allonge dans la direction de l'axe qui l'amène au Soleil, qui la lie au Soleil. Donc elle est comprimée dans cette direction-là et elle est allongée dans cette direction-là. Ça s'appelle les forces de marée. Est-ce que la Terre, elle est déformable? Plutôt oui, plutôt non? Oui? Ça se déformera de combien ici, à votre avis, du coup? En mètres ou en kilomètres? Quelques centimètres, ouais, effectivement. Ça s'appelle des marées terrestres, ça. Donc elle est quand même pas si déformable que ça, la Terre, un petit peu, mais voilà, quelques centimètres, effectivement. Ça, on le voit peu, hein. Il y a des expériences qui le voient bien, hein. Par exemple, une histoire qui est assez fameuse de ce point de vue-là, les gens qui font de la physique des particules au CERN, qui mesurent l'énergie des particules dans le grand accélérateur, le LHC, ou celui d'avant, le LEP, d'ailleurs, c'était avec le LEP qu'on avait vu ça, les mesures sont très sensibles à la longueur de l'anneau. Si vous avez la longueur de l'anneau qui change, du coup, le temps passé et l'énergie donnée aux particules changent aussi. Et les équipes expérimentales s'étaient aperçues à un moment donné qu'au fil de la journée, la masse des particules, en gros, semblait changer. Et ben non, c'était simplement que les marées terrestres déforment la croûte terrestre, et du coup, ça allongeait ou ça raccourcissait un petit peu l'anneau. Un tout petit peu, hein, mais c'était suffisant pour que ça se voit dans les mesures. Donc ces marées terrestres-là, elles ont au moins cet effet-là. Elles ont d'autres effets, hein, c'est quelque chose qui est vraiment important en géologie et en planétologie aussi. Il y a une autre marée que vous connaissez mieux, parce qu'il y a quand même des corps très déformables sur la Terre, ça s'appelle les océans. Eux, ils se déforment facilement, et effectivement, du coup, ils sont plus attirés, ils se déforment plus, et c'est ça qui est responsable des marées.
Ça vous explique le fait qu'il y a deux marées par jour. Parce que là, je n'ai pas pris en compte la rotation de la Terre, mais évidemment, la Terre est en train de tourner autour, sur elle-même, voilà, comme ça. Donc ça veut dire que le bonhomme qui est ici, il se retrouve un coup là à midi, et puis ici à minuit, et puis de nouveau là à midi. Donc pour lui, là, à midi, il y a une marée haute, et à minuit, il y a une marée haute aussi. Donc il y a deux marées par jour. Ça, c'est un truc, historiquement, les gens ont mis du temps à le réaliser. Les gens se disaient vaguement, voilà, bah, on a le soleil, ça attire toute l'eau, donc du coup, il y a une marée haute de ce côté-là, une marée basse de ce côté-là-bas. Ça semble un petit peu logique. Bah, sauf que quand on étudie le problème proprement, c'est pas le cas. À ce stade, vous pourriez me traiter de menteur et de débile. Je suis en train de vous dire que les marées hautes, c'est à midi, et les marées basses, c'est à minuit. C'est pas vrai. D'accord ? Il y a un décalage. Alors la raison, c'est qu'il y a une autre cause pour les marées, c'est l'influence de la Lune. Hein ? Donc on peut aussi rejouer le même jeu avec le fait que la Lune est aussi en train de tourner autour de la Terre. Du coup, il y a un effet de marée qui est dû à la Lune aussi. Je ne veux pas du tout faire plus que le mentionner, mais voilà. En fait, il faut prendre pour comprendre les marées, à la fois en compte l'action du Soleil et celle de la Lune sur la Terre. Il faut considérer les trois corps, en fait. Ok, ces forces de marée, elles ont aussi un autre, elles ont aussi une autre conséquence. C'est que, imaginez que vous soyez un ingénieur aérospatial et que vous vouliez mettre un satellite en orbite. Un satellite en orbite, c'est un truc qui va tourner comme ça. On a vu quelles étaient les orbites d'un corps qui était uniquement sensible à la force gravitationnelle. C'était des ellipses, c'est les lois de Kepler. Donc un satellite qu'on met en orbite autour de la Terre, ça décrit des ellipses. Okay. Sauf que non. Parce que ça, c'est vrai s'il n'y a que la Terre et qu'elle est immobile. C'est ce qu'on a fait, fait jusqu'à maintenant. Là, la Terre est en train de tourner autour du Soleil, donc il faut ajouter à la force gravitationnelle cette force de marée-là. Donc le satellite qu'on envoie, il est soumis à une force de marée qui est plus forte ici, plus forte là, plus faible là, plus faible là. Tout ça, ça perturbe son orbite. Donc ça, il faut le prendre en compte quand on veut calculer l'orbite des... Quand on veut calculer l'orbite des satellites autour de la Terre, il faut vraiment prendre en compte cet effet et ça modifie les ellipses, en fait. Vous avez une ellipse, mais dont le grand axe peut tourner autour du temps. Ça complique le problème. Il y a un satellite pour lequel on n'a pas le choix, enfin, on n'a pas tellement le contrôle de ce qui se passe, c'est la Lune. Donc la Lune tourne autour de la Terre. En combien de temps, d'ailleurs? En gros, hein. 28 jours, oui, un mois en gros, 28 jours. Donc la Lune tourne autour de la Terre en 28 jours. Elle est aussi soumise à l'effet dont je viens de parler. Et c'est pour ça que le mouvement de la Lune, c'est un truc assez compliqué à étudier, en fait. Hein. C'est pas juste une trajectoire circulaire ou un peu elliptique autour de la Terre. L'influence du Soleil via les forces de marée, elles sont importantes. Hein. Et historiquement, le mouvement de la Lune, c'est un des derniers trucs qu'on a compris en mécanique céleste. Hein. On a compris le mouvement des planètes bien avant avoir compris le mouvement de la Lune. Parce que le mouvement des planètes, en gros, c'est les lois de Kepler. Le mouvement de la Lune, non, ça s'en écarte pas mal. Ce qui est embêtant, c'est le truc qu'on arrive le mieux à mesurer, qui est le plus près, hein, du coup. Mais... On aura besoin un petit peu plus tard de faire un dessin à l'échelle de ça. On va commencer par le faire maintenant et je vais le laisser au tableau. Imaginez que 150 millions de kilomètres, qui est la distance Terre-Soleil, je le représente par 1,50 m au tableau. Soleil, alors je ne mets pas sa taille à l'échelle, mais 1,50 m... 1,50 m, ça doit faire quelque chose comme ça à peu près. On l'a le 1,50 m là? Ouais, largement, même un peu plus. Hein. C'est un bon mètre, on va le mettre là. Ok. Sur votre dessin, faites ça aussi. Du coup, mettez 15 cm ou mettez une distance et placez la Lune. Placez la Lune en orbite sur le dessin à l'échelle. Donc j'écris ici, UA, c'est pour unité astronomique, c'est le nom qu'on donne à la distance Terre-Lune, et ça vaut 150 millions de kilomètres. Allez, je vous donne la distance Terre-Lune. Quelqu'un sait? En gros, combien ça vaut? Moi, je ne savais pas, hein, j'ai dû regarder sur Wikipédia. Combien? Pas mal, ouais, ça, c'est 380 000, mais c'est le bon ordre de grandeur, ok. 380, et je vais le mettre dans la même unité, 0,38 fois 10 puissance 6 kilomètres. C'est une manière un peu tordue d'écrire, mais au moins ça permet de comparer ici. Ça vous dit que si ça fait 1,50 m sur mon schéma, ça fait combien? Combien? Non? 3,8 mm? Je vous délivre le prix Nobel de la conversion, non, du facteur d'échelle plus précisément. C'est effectivement 3,8 mm. Donc si je veux mettre ça à l'échelle sur le schéma ici, vous n'allez rien voir.
Ça fait un rayon ici, enfin un diamètre qui vaut un peu moins d'un centimètre. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. C'est proche, hein. Vous voyez, entre parenthèses, tout à l'heure, quand on a négligé le facteur petit r sur grand R par rapport à 1 dans le développement limité, vous voyez que pour tous les corps qui sont à l'intérieur de l'orbite lunaire, ça c'est le cas, hein. Petit r sur grand R, ici, c'est cette distance-là sur celle-là. Oui, c'est vraiment tout petit. Je ne dis pas qu'il faut forcément le négliger. Hein. Voilà, l'ordre de grandeur, vous avez vu, c'est le rapport entre ça et ça. Donc c'est quelque chose de l'ordre de 10-2. Voilà, un peu moins de 10-2, 10-3. Mais ce n'est pas délirant, a priori, de négliger ce truc-là devant l'unité. Je laisse au tableau. De toute façon, vous ne voyez rien. Donc même si je l'efface, vous ne voyez pas la différence. Là, je vous assure, il y a la Terre. En plus, j'ai même dessiné les continents et un pingouin sur le pôle Nord. Mais vous ne le voyez pas. Ça, je laisse au tableau. Ça, je l'enlève. Bon, j'ai menti pour le pingouin. Je vous ai parlé des forces de marée en vous disant, ben voilà, on a la Terre qui est en train de tourner autour du Soleil. Du coup, dans le référentiel de la Terre en train de tourner autour du Soleil, on a une force FIE qui est comme ça. Et puis, on a la force d'attraction du Soleil qui est finalement le poids de la Terre. Hein. C'est le poids de la Terre vu l'attraction du Soleil. C'est ça que je disais. Et ces choses-là se compensent au centre de la Terre et puis ne se compensent plus de part et d'autre. Ça, j'aurais pu faire ce raisonnement, quel que soit le mouvement de la Terre. Du moment que la Terre est en train d'être attirée par le Soleil, imaginons que le Soleil soit ici, et que, imaginons qu'on ne soit pas sur la Terre, mais sur un truc qui fasse une trajectoire extrêmement elliptique, qui n'est pas du tout circulaire, à tout instant, l'objet qui est ici, s'il est uniquement soumis à la force de gravité due au Soleil, son accélération est donnée par cette force-là. Dans ce référentiel-là, il faut prendre comme force d'inertie d'entraînement moins m fois cette accélération. Donc on aura une force d'inertie d'entraînement qui est dirigée par là-bas. La force due au Soleil, elle est dans cette direction-là. Ces deux forces se compensent au centre du corps qu'on est en train d'étudier. Et on pourrait reprendre toute l'analyse. La résultante de ces deux forces est plus grande, enfin, est dirigée vers l'extérieur ici, est dirigée vers l'intérieur là, et est dirigée sur les côtés là. Vous prenez quelque chose ici sans vitesse initiale et vous le faites tomber radialement vers le Soleil, c'est pareil. Du moment qu'un corps est en chute libre, vous avez les forces de marée dont je viens de parler ici. J'insiste ici hein, sur le fait que le mouvement de rotation de la Terre autour du Soleil, c'est un mouvement de chute libre. C'en est un. C'est pas comme si c'était de la chute libre, c'est de la chute libre. C'est un corps qui est lancé, qui a été lancé par son histoire lors de la formation du système solaire. Voilà, la Terre est lancée sur le côté, et la seule force qui est subie, c'est l'attraction du Soleil. Elle est en train de tomber vers le Soleil. Elle a une vitesse latérale qui l'empêche de tomber, hein, donc c'est l'inertie qui fait qu'elle fait des tours, mais c'est vraiment un mouvement de chute libre. Hein. Donc, tout ce qu'on a fait là, ça se transpose immédiatement au cas de toute chute libre. Les forces de marée sont à prendre en compte dans tout référentiel en chute libre. Du coup, quand j'ai parlé d'apesanteur l'autre fois, je vous ai dit, j'ai dit, ouais, on est dans un ascenseur en train de tomber. Le gars qui fait de la physique dans ce référentiel, là, il est en train de flotter. Il n'y a plus de force de gravité. En toute rigueur, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est vrai au centre du référentiel. Mais s'il est en train de tomber dans cette direction-là, je me place dans le référentiel en train de tomber. Si je me mets un petit peu plus haut ici, il y a une force résiduelle qui va par là-bas. Un petit peu plus bas, il y a une force résiduelle qui va par là-bas. Ici, une force résiduelle par là. Et là, par là. C'est le dessin que j'avais fait tout à l'heure. Et donc, si la personne qui est ici, dans l'ascenseur en train de tomber, lâche quelques pièces de monnaie ici, lâche quelques pièces de monnaie ici, et ben, elle va voir doucement les pièces de monnaie du haut aller vers le haut, celles du bas aller vers le bas. Si elle lâche des pièces de monnaie sur le côté, elles vont venir comme ça. Le mouvement qui est ici, hein, c'est dû au fait que quand on regarde ça de l'extérieur, l'objet qui est ici est en train de tomber non pas verticalement comme ça, mais légèrement sur le côté, parce que le centre attracteur, il est là. La force gravitationnelle, ici, si je la trace partout, elle est comme ça, elle pointe vers le centre de la Terre. Donc ici, elle pointe légèrement vers le centre de la Terre, non pas, et alors que la force d'inertie d'entraînement, elle est purement verticale. La différence entre les deux, ça fait une composante qui est comme ça. Je ferme cette parenthèse-là. Ça, je vous en ai déjà un petit peu parlé la dernière fois. Là, ça, c'était confus, la manière dont j'ai fait la dernière fois. Là, c'était rapide, mais voilà, je voulais vous faire le lien avec le mouvement de translation circulaire, puisque c'est vraiment rigoureusement la même chose. Alors, pour résumer ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, quand on étudie un système dans un référentiel de translation, il faut introduire une force supplémentaire, qui est une force d'inertie d'entraînement. Dans le cas de la translation circulaire que j'ai envisagée jusqu'à maintenant, imaginons un corps ici qui décrit
autour d'un centre que je vais appeler O ici, qui décrit un cercle à vitesse angulaire constante, et donc un cercle de rayon, ça c'est le rayon du cercle que je considère ici. Quand je fais de la physique, je peux ou bien me placer dans le référentiel R ici, dans lequel je vois effectivement la masse tourner. Dans ce cas-là, j'écris M A est égal à la somme des forces qui agissent effectivement sur le système. Par exemple, si c'est sous l'action de la force gravitationnelle liée à un objet qui est ici, que celui-là tourne, eh bien, il faut prendre en compte cette force gravitationnelle. On peut aussi se placer du point de vue du référentiel qui est ici, qui a les mêmes axes que le précédent, je ne les redessine pas, je les fais dans le cours qui précède, mais je peux me placer du point de vue de O', que maintenant je considère fixe, et dans ce référentiel-là, je vois du coup le centre O lui en train de tourner dans l'autre sens, hein, si je voulais le dessiner, mais bon, peu importe. Je me place dans ce référentiel-là, avec ses axes X, Y, comme ça. Et bah, depuis ce référentiel-là, je peux aussi faire de la mécanique, mais il faut à ce moment-là que je rajoute une force à l'ensemble des forces qui agissent sur le système, qui est moins M fois l'accélération de O' par rapport à O. Ça, du coup, c'est l'accélération de O' par rapport à O mesurée dans ce référentiel-là. Donc là, si par exemple, on est dans la situation où on a une translation circulaire uniforme, l'accélération de O' par rapport à O, elle est dirigée comme ça. Alors ça, c'est l'accélération de O' par rapport à O. Donc dans le référentiel R', il faut que j'ajoute une force d'inertie d'entraînement qui est moins M fois O, donc elle est dans l'autre sens. Et donc c'est quelque chose qui du coup va être comme ça. J'en mets un petit peu partout pour souligner que quel que soit l'endroit où se trouve la masse dans le référentiel R', il va falloir la prendre en compte. Voilà. À cette étape-là de sa trajectoire, la force d'inertie d'entraînement est dirigée comme ça. Si je me place à un instant ultérieur où par exemple le point O' est arrivé ici, et ben la flèche elle va avoir tourné ici. Donc toutes ces flèches-là vont avoir tourné également dans ce sens-là. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au cours du temps, cette force-là, dans le cas de la trajectoire circulaire qu'on considère, vue depuis R', ça fait une force qui est en train de tourner comme ça, au même rythme que O' tourne autour de O. Voilà. Donc on peut étudier un même problème suivant ces deux approches-là, dans le référentiel ici fixe, entre guillemets, et dans le référentiel en translation circulaire uniforme, R'. On fera cet exercice-là d'aborder un même problème avec ces deux approches-là, plus une troisième d'ailleurs, à la fin du prochain cours, quand je parlerai de la force centrifuge.